Bienvenue, chers spectateurs, tout le monde. Bienvenue, Catherine Mourenhout. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et je me réjouis de passer cette demi-heure avec toi. Je vais juste te présenter. Catherine est psychologue et elle est facilitatrice de changement et de processus créatrice et créative. Et tu vas nous en parler un peu plus. Et aujourd'hui, tu vas nous parler du deuil en période de confinement. Je vais te laisser expliquer le contexte. On avait échangé et c'était ce que tu avais repéré et ce qu'on observe autour de nous. Il y a peut-être des deuils à différents niveaux, des deuils vraiment à faire par rapport à des pertes de personnes proches, ou des deuils à faire par rapport à des projets, des visions qu'on avait pour cette période. Voilà. Bienvenue et je te passe la parole. C'est gentil, merci. Ah oui, c'est un sujet qui me tient fort à cœur parce que c'est un des processus qui, pour moi, fait partie du changement. Dans le mot deuil, en fait, étymologiquement, il y a le mot dolore qui est souffrir en latin. Et c'est vrai que donc on peut souffrir de pertes et finalement, on souffre de pertes à chaque instant. Et pour de multiples raisons, que ce soit une relation, que ce soit un projet, que ce soit un être cher, qui est évidemment le plus évident. Mais très souvent, on oublie. Alors déjà, dans nos sociétés occidentales, le deuil et le processus de deuil, on pense que c'est, ben voilà, on tourne la page et oui, il y a les petites cérémonies, etc. Et puis on tourne la page et en fait, c'est un cheminement et un processus intérieur qui peut prendre beaucoup, beaucoup plus de temps et quand je dis qu'il prend beaucoup plus de temps ou qu'il peut prendre beaucoup plus de temps aussi de manière consciente et être vécu comme vraiment dans toute la conscience de chacune des étapes. Alors en même temps, aujourd'hui, cette situation d'attente et de confinement, ben en quelque part, c'est une période de deuil collectif, puisque pour beaucoup, le quotidien s'est arrêté, la vie routinière s'est arrêtée et on se retrouve avec beaucoup de sentiments, d'émotions, à la fois des frustrations, quand on fait nos courses, quand on ne trouve pas ce qu'il y a à faire, de voir la manière dont réagissent les uns et les autres. Et puis aussi énormément d'incertitudes par rapport à combien de temps est-ce que cela va durer, qu'est-ce qu'on va retrouver au-delà de cette période. Et donc c'est ben voilà, c'est à la fois des projets ou des situations qui sont suspendues et beaucoup d'incertitudes qui font quoi. L'imaginaire prend énormément de place et puis ben, de nouveau, hein, c'est notre cerveau qui va essayer de prendre le contrôle. Et c'est effectivement, justement, il y a beaucoup de réalités différentes. Par exemple, à Paris, le confinement est très, très strict. Et quand on est vraiment enfermé dans un petit appartement, en famille en plus, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire comme d'habitude. Ça, c'est un deuil aussi de faire au niveau de nos habitudes, de nos routines. Aussi le besoin de notre corps de mouvement et si le confinement permet 1 heure de sortie par jour et les enfants veulent juste bouger, il y a plein de différentes réalités et effectivement les personnes qui sont atteintes et ou ont dans la famille quelqu'un qui est décédé à cause de cette maladie, il y a vraiment des différents niveaux où ça peut se jouer. Oui, et puis je dirais que même au niveau individuel, ben perdre un être cher aujourd'hui est quelque chose qui est rendu aussi encore plus douloureux par cette situation de confinement, par cette situation de crise sanitaire qui fait que on ne peut pas être présent dans le cas où la mort est attendue, pour peu qu'on puisse l'attendre, mais à partir du moment où on tombe malade ou pour ceux qui ont le coronavirus, c'est vrai que la peur y est et que c'est une des possibilités. C'est vraiment comme dans tous ces cas de maladie où la mort
se prépare, où on peut l'attendre. Mais dans cet état de confinement aujourd'hui, ben, c'est quelque chose de difficile puisqu'on sait que nos proches, ben, sont seuls à le vivre. Alors bien que la mort est quelque chose que l'on vit toujours de manière solitaire et solitude, c'est comme la naissance, hein, c'est un passage d'un état à un autre qu'on est le seul à vivre, mais n'empêche qu'on peut être entouré. Et d'être, ben voilà, les personnes qui le vivent aujourd'hui, qui passent dans la mort, manquent d'être entourées, ce qui renforce aussi un sentiment, une émotion pour les personnes qui, elles, sont vivantes et restent ici et qui ne peuvent pas être dans l'accompagnement de la personne prête à partir, de ne pas pouvoir lui exprimer peut-être les sentiments qu'on a pour eux, etc. Et puis, voilà la manière dont c'est géré, dans la distance, dans le fait de ne pas pouvoir voir, de ne pas pouvoir rendre hommage, de ne pas pouvoir prendre dans les bras, d'être en lien avec les personnes qui sont autour de nous, alors que, voilà, dans une période de deuil, c'est le lien, de créer des liens et d'être entouré. C'est vraiment essentiel pour parce qu'on a dans l'ambivalence du deuil qui est à la fois c'est de souffrir et d'avoir peur de souffrir, d'être dans un trop-plein, être submergé par des émotions, et puis de l'autre côté, c'est avoir envie de guérir et avoir envie de continuer à vivre. Et c'est de trouver, c'est vraiment une question d'équilibre et un jeu d'accepter à la fois l'un et à la fois l'autre. Tout à fait. Et donc, dans ton accompagnement ou dans ta vision, c'est quoi les étapes d'un deuil? Est-ce qu'on traverse tous les mêmes étapes au même moment ou comment ça se passe? Alors c'est vrai que des étapes ont été décrites à la fois par David Kessler et Elisabeth Kübler-Ross, qui ont beaucoup vécu dans des soins, des services de soins palliatifs et qui ont pu donc observer la mort et l'entourage des morts au sens propre, qui ont défini 5 étapes. Et puis alors, Louis, que je reprenne, Jean Monbourquette, j'oublie toujours son prénom, lui en a défini 7 ou 8. Et c'est vrai que même si, voilà, ces étapes sont là et ça fait un petit peu comme un carnet de route. Alors, on les traverse toutes, peut-être pas de la même manière, peut-être pas dans la même durée, mais en tout cas, elles font partie de cela. Alors, ces étapes seraient d'abord, ben, c'est effectivement, c'est l'incompréhension, c'est l'annonce et c'est le choc de cette annonce. C'est peut-être l'incompréhension dans un cas de divorce. Il y a l'annonce et puis il y a ce moment d'incompréhension où on ne comprend pas très bien. Dans le cas d'un licenciement, c'est la même chose. Et puis il y a ce déni. Ben non, pourquoi moi? Qu'est-ce que c'est? C'est pas possible. Et il y a sûrement autre chose. Il y a sûrement des explications qui sont cette phase de déni où on n'y croit pas, et c'est un petit peu ce que nous avons vécu dans le coronavirus où au début on voyait bien arriver et en même temps on se disait non, non, mais c'est pas possible, non, mais c'est pas si grave que ça, non, mais ça nécessite, on n'en meurt pas, etc. Et ça, c'est quelque part, c'est ce déni. Et puis il y a la colère qui est bah, où là où on a effectivement on a passé une autre étape, et là c'est ben non, c'est pas possible, c'est on est en colère par rapport à ce sentiment de frustration de tout ce qu'on perd, de toutes ces contraintes, de tout ce changement qu'on n'a peut-être pas demandé, et que souvent on n'a pas demandé, hein, parce que bon, bah, parfois on est aussi endeuillé quand on sait qu'on va mettre terme à une relation, et dans ce cas-là, on l'a soi-même choisi, ou on est aussi en deuil quand on vieillit, faire le deuil d'un certain nombre de capacités, de facultés qu'on a. Mais il y a cette colère quand même de quelque chose qu'il y avait avant et qu'il n'y a plus aujourd'hui et qu'il n'y aura peut-être plus après, qu'il faut transformer. Et puis il y a un marchandage qui est, bah voilà, alors si je fais ça, ou peut-être que quand même j'arriverai à obtenir le même effet, mais avec d'autres choses. Et ça, c'est une période de marchandage. Et puis il y a la période de tristesse, où vraiment on a cette conscience qu'il y a quelque chose de perdu et qu'il est important de passer à autre chose. La tristesse, c'est cette émotion
Et en tout cas, c'est le message de cette émotion en soi. OK, il y a vraiment cette perte. Et là, maintenant, on ne peut plus revenir en arrière. Et puis, il y a la phase de l'acceptation, qui est d'avoir pu transformer tout cela, d'avoir donné un sens à ce deuil, d'avoir donné un sens à ce changement, de l'avoir transformé vraiment vers quelque chose d'autre, et donc de pouvoir l'accepter et de se réouvrir, de se rendre disponible à tant d'autres choses. Donc ça, ce sont les cinq étapes qui sont définies par David Kessler et Elisabeth Kübler-Ross, et qui sont aussi des choses que nous, on a pu vivre, on l'a traversée, et dans un programme Ouais. donnant nous-mêmes, Et c'est ben c'est très bien ça de gérer. pardon. Et c'est très bien ce que tu dis. Les phases peuvent aussi durer. Ça peut être très différent. L'intensité, la durée. On voit par exemple dans le déni, on voit certaines personnes qui restent encore dans le déni aujourd'hui. Oui, ben oui. Où on a même des figures publiques qui n'arrivent pas vraiment à faire leur deuil de leur position, de leur positionnement. Et c'est vrai que par moment, cette phase de passer à l'acceptation que quelque chose s'arrête et quelque chose autre commence, ça peut être parfois très difficile parce que on est attaché à quelque chose qu'on avait créé avant, que ça soit une image ou un fantasme sur comment ça va se passer avec mon proche, avec mon projet, avec cette période. Et il y a des parties de nous qui restent attachées à cette vision plus que à la réalité telle qu'elle est. Et donc, cette acceptation, dans ton expérience, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour rendre ça plus acceptable, plus facile? Alors je pense que déjà de savoir que ce processus n'est pas linéaire, mais que c'est plutôt comme une spirale, et que donc il y a des choses où on revient sur d'éléments, parce que c'est en fonction des émotions qui sont là et qui sont en train de remonter, que ça se passe et que ça se traverse, et qu'on arrive au fur et à mesure à accepter ce qui est, parce qu'on a fait le calme et retrouver la paix en soi. Et cette paix en soi, ben c'est justement, c'est moi je dirais, c'est vrai que c'est une énergie psychique et à la fois physique qui est vraiment qui demande énormément de choses. Et plus on résiste à ça, au plus longtemps ça pourrait durer. Donc l'invitation, c'est vraiment, c'est d'oser. Et c'est d'oser dans, comme je dis, c'est à la fois d'avoir cette envie de guérir et de traverser. Et en même temps, c'est le fait de reconnaître cette peur qui est là, de la douleur et d'affronter des émotions. Alors, affronter des émotions, c'est pouvoir les reconnaître, et c'est vrai que la colère et la tristesse, ce sont vraiment des émotions qui peuvent prendre beaucoup de place et qui peuvent nous submerger, et qu'on préfère généralement tenir vraiment à distance, alors que ben, elles aussi, elles ont un message, et elles aussi, une fois qu'elles sont passées, comme toute chose, hein, quand une tempête passe, et bien après le beau temps revient, et bien c'est la même chose dans notre état intérieur, puisque les émotions, c'est un signal de notre corps qui demande à retrouver un certain équilibre, et donc c'est de nous mettre en mouvement. Ce mouvement, c'est vraiment, c'est de pouvoir voir les deux, retrouver un pied à la fois sur Terre, et étrangement être sur Terre, ben justement, c'est d'avoir ces facultés de notre cerveau archaïque et plutôt commun aux autres êtres vivants du monde, règne animal. C'est à la fois, c'est d'être dans le mouvement, dans la réaction et dans l'émotion. Et puis à la fois, c'est d'avoir ce moment de douceur et peut-être plus d'ouverture à quelque chose d'autre qui peut être généré par des activités. Alors, moi, l'accompagnement par le deuil que je fais, c'est un accompagnement par la technique du journal créatif, qui est justement quelque chose de plus en douceur. Alors, c'est quelque chose que Nathalie Hanot a développé. Donc, elle nous a formés en tant qu'animatrice de journal créatif. Elle en a fait aussi un excellent livre qui est disponible pour tous ceux qui aujourd'hui ne pourraient pas le faire, et qui, donc je peux mettre le lien tout à l'heure en commentaire, qui propose déjà aussi des exercices créatifs
et qui permet, voilà, d'une autre manière, mais d'oser ce qui est à l'intérieur, de le mettre à l'extérieur et de pouvoir déjà le transformer dans la matière, de pouvoir l'exprimer. Alors, le résultat de cet exercice, de cet atelier, et moi, ce sont des ateliers de 2 jours, c'est vraiment, c'est un outil très... Voilà, qu'on peut regarder encore après, parce qu'il est empreint de souvenirs, et en même temps, comme toujours, ce n'est pas nécessairement le côté esthétique qui prime, c'est plutôt le processus d'avoir pu exprimer les émotions, de leur avoir donné la place pour les comprendre, pour pouvoir les transformer et pour pouvoir passer justement à l'étape suivante. Et Et... justement, pardon. Vas-y. Et justement, nous avons à deux, nous avons aussi utilisé ce même processus pour mettre en place une série de webinaires qui s'appelle 9 jours pour se réinventer, qui est plus focalisé pour des entrepreneurs ou des personnes qui ont des projets qui doivent réinventer leur projet ou repenser, redonner une nouvelle orientation. Et tout le webinaire, vous pouvez le trouver dans une semaine sur blog.ipra.com. On vous mettra encore les informations sur la page Facebook. Parce que là, nous avons utilisé les 9 étapes, mais pour un processus pour justement passer aussi cette phase de l'acceptation vers un changement positif et un changement de recréer ma nouvelle vision. Et donc, il y a pour un deuil vraiment d'une personne chère ou à cause d'une maladie, etc., des ateliers, et il y a cette autre possibilité aussi. Oui, c'est vrai. Enfin, personnellement, le deuil, c'est quelque chose que je saisis comme une opportunité parce qu'effectivement, ça permet justement de me transformer à la fois au niveau intérieur par rapport à comment est-ce que moi je m'adapte à la vie, comment est-ce que moi je compose avec ce qui est et comment est-ce que j'en fais et j'en crée le meilleur. Et voilà, que ce soit vraiment au travers de licenciements, que ce soit au travers de maladies, que ce soit au travers d'un divorce, que ce soit au travers de la perte d'un être cher, c'est vraiment un moment qui pour moi est évolutif et qui me permet à la fois moi de mûrir et de grandir intérieurement et de cheminer. Ça fait partie de la vie, c'est un petit peu, et la nature, on est vraiment un beau témoin, c'est qu'effectivement, ce cycle de vie et de mort et renaissance est quelque chose qui appartient à la nature fondamentale de notre environnement, mais de chaque être vivant, de chaque être nous-mêmes. Oui. Alors, je dirais pour terminer, parce qu'on arrive un petit peu à la fin, et je prendrai vraiment du temps parce que c'est vrai pour toutes ces personnes qui aujourd'hui ont perdu un être cher, qui ont donc de nombreux deuils à vivre simultanément, puisque c'est à la fois notre routine qui change, c'est à la fois des liens, de la manière dont on vit nos liens, etc. Et je pense que voilà, il y a le premier niveau qui est à la fois physique et émotionnel et qui est important pour moi de revenir dans l'instant présent, je pense. Donc mon invitation pour ces personnes, c'est d'être le plus souvent possible dans cet instant présent, de prendre conscience de ce qui est là, ici et maintenant, autour d'eux, et de toute la palette émotionnelle qui est positive. Et puis par rapport à... de prendre des temps, alors puisqu'effectivement il n'y a pas ce moment de recueillement auprès du défunt qui est possible, mais c'est peut-être de l'envisager, de le programmer de manière ultérieure avec la famille, avec ceux qui sont proches et qui avaient quelque chose pour qu'effectivement tous ces témoignages puissent être faits à ce moment-là, selon le rituel que la famille avait peut-être choisi, parce qu'aujourd'hui c'est une des difficultés, c'est que c'est vrai, c'est difficile de partir, de dire adieu à quelqu'un sans pouvoir lui dire adieu, d'en même temps de ne pas pouvoir respecter ses dernières volontés peut-être dans la manière
dont l'office est fait, s'il y a un office, dans la manière dont est fait, en tout cas, le départ, ça peut provoquer aussi beaucoup de souffrance et beaucoup de douleur. C'est alors d'avoir aussi des souvenirs et peut-être de prendre du temps d'une certaine manière, d'avoir peut-être une photo ou de faire un petit hôtel pour un espace dans la maison qui est réservé à celui à qui on a dû faire le deuil, et peut-être de tous les jours d'avoir peut-être un petit moment de dialogue avec cette personne. Alors, il ne faut pas nécessairement être doué de... Enfin, voilà, il ne faut pas avoir une croyance particulière, spirituelle ou religieuse pour ça. C'est simplement peut-être d'avoir un petit moment de présence simplement par rapport à cet être. D'écrire beaucoup, dans le journal créatif, c'est beaucoup de dessins, de coloriage et de collage. Et puis, ce que j'aime beaucoup aussi, ce qui m'a aidé, c'était de refaire ces photos. Alors, il y avait ces défis sur Facebook où on nous invitait à aller chercher une plage de vacances ou d'aller chercher un souvenir de notre enfance. Alors, pourquoi pas prendre un temps aussi avec les membres qui sont au sein de notre famille peut-être, et puis peut-être de le partager via les apéros virtuels qu'on organise aujourd'hui. Essayer de prendre ce temps de partage des souvenirs, parce que de créer les liens, de rester en lien, c'est important. Alors si vous, pour ceux qui savent qu'ils ont un proche qui a perdu quelqu'un, c'est de témoigner simplement cette présence, peut-être par des mots, peut-être en tout cas de reconnaître la douleur et la souffrance dans laquelle ils sont aujourd'hui. Parce qu'effectivement, ils continuent à avoir besoin du soutien et de réconfort, et plus encore alors qu'ils sont dans cette distance aujourd'hui imposée. Et il peut y avoir des gestes qui sont simples. Ça peut être de cueillir quelques fleurs, quelques éléments, de prendre des éléments de la nature et d'aller les déposer sur le pas de la porte de cet être. Ça peut être de lui envoyer une carte qu'on a réalisée. Ça peut être d'écrire un texte. Un poème, peut-être pour ceux qui ont envie de se lancer là-dedans. Mais ce sont vraiment des petits rituels. Et c'est l'invitation, c'est de garder ce rituel. Parce que s'il y a bien quelque chose qui est aussi indispensable dans le deuil, c'est à la fois ce lien avec l'absent, avec ce qu'on a perdu et avec ceux qui restent. Être en lien à l'extérieur, être en lien à soi, dans l'écoute de nos émotions. Et de ritualiser ça d'une manière ou d'une autre. Catherine, on a reçu une question aussi. C'est une personne qui dit, oui, perdre une personne âgée, malgré la tristesse qu'on a, cette personne a au moins vécu sa vie et donc on peut, si tu veux, célébrer aussi cette vie et l'acceptation est peut-être un peu plus facile. Mais qu'en est-il dans la perte d'un enfant? Comment faire pour quand c'est un enfant? Je crois que perdre un enfant est effectivement extrêmement douloureux parce que ça ne va pas dans l'ordre des choses tel qu'on l'imagine. Effectivement, Et perdre on un le voit parent. même parce que même en parlant seulement toi et moi, on est fort touchés, hein, rien qu'à s'imaginer. Et je trouvais que j'aurais bien du mal à en parler parce que j'ai une amie proche qui l'a vécu, et c'est vrai que c'est bien difficile de me mettre à sa place, si ce n'est de voir combien elle chemine et combien elle traverse ces mêmes épreuves, et combien moi, c'est par ma présence que je peux être là dans cette reconnaissance. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est comme quand j'avais le cancer et que très souvent les gens disent, oui, mais moi je ne vis pas ce que tu vis, alors à côté de ça, ce que je vis a bien moins d'importance. Et je crois que ça, c'est une erreur. Donc je n'ai pas envie de faire cette erreur-là. C'est que tout deuil que l'on vit, même parfois
Même parfois, la simple frustration, voilà, de quelque chose qui nous tenait fort à cœur et qu'on n'aura pas, qu'on a perdu, qu'on ne pourra pas réaliser, peut provoquer autant d'émotions. Alors, comment faire par rapport à un enfant? Je n'ai pas la solution miracle. Si ce n'est, c'est de prendre tout le temps possible par rapport à ça, d'accepter que c'était sa vie, qu'il a vécu sa vie, qu'il a vécu ce qu'il avait à vivre et que aussi dur que cela puisse être. Donc, c'est d'être dans cette acceptation-là. Je crois que c'est ce qu'on vient d'exprimer et ce que tu viens de partager avec nous aussi. Merci Catherine pour ton authenticité aussi. C'est que on peut pas s'imaginer la douleur, la souffrance que ça doit être pour la personne qui le vit. Et donc, ça fait souvent peur. On a peut-être tendance à ne pas vouloir être trop proche parce qu'on a peur de faire remonter l'émotion trop fort et on a peur de ça. Et d'un autre côté, la personne qui le vit, elle a surtout besoin d'être rejointe là où elle vit ça tellement douloureusement. Et c'est inévitable qu'on soit nous aussi touchés au d'avoir des larmes, de perdre les mots, parce que c'est tellement énorme que c'est normal d'être dépassé par ça. Et d'un autre côté, juste être là et sentir, pour la personne qui le vit, juste sentir que quelqu'un est là et peut être touché à ce point de ce que je vis, c'est aidant, c'est réconfortant. Et c'est aussi le signe que je ne suis pas seule dans cette douleur terrible. Et c'est vrai que nous ne pouvons pas éviter à la personne de souffrir. Ça, on peut, comme tu l'avais dit, c'est le processus de la vie, ça fait partie. Mais on peut être là, on peut accompagner. Et on peut apporter de notre amour pour cette personne et peut-être aussi juste reconnaître l'inacceptable. Parce que la personne doit aussi, c'est normal aussi qu'elle passe par cette phase où ça semble complètement inacceptable. Oui, mais comme pour, je dirais, c'est vraiment c'est cette étape du choc et à la fois du déni où c'est inacceptable et quel que soit le deuil, c'est inacceptable. Alors l'intensité sera différente, mais elle existe quel que soit le deuil. Et quand je ferai une nuance, quand tu dis, je ne suis pas seule à vivre cette douleur-là. Moi, je dirais, je ne suis pas seule sur le chemin de la douleur, mais je suis seule à ressentir cette douleur-là. Parce que cette douleur-là, aussi proche peut-on être, et c'est vraiment, c'est comme deux parents c'est une image de Christophe Fauré qui parlait ça dans une de ses vidéos, c'est s'il y a le centre dans chacune cellule de notre père et de notre mère, il y a un centre. Ils ont beau être ensemble, l'un à côté de l'autre et aussi proches l'un de l'autre, les centres ne seront jamais au même endroit. Et donc, dans cet espace, c'est quelque chose vraiment qui, je pense, est important d'accepter, c'est qu'on est seul à traverser cette étape. On est seul à pouvoir le faire. Mais par contre, on est entouré. Et on a des gens autour de soi et on n'est pas seul sur le chemin. Mais notre douleur, elle est unique. Et il n'y a personne qui peut. Il n'y a personne. Et on ne le demande pas. C'est comme la différence entre l'empathie et la sympathie. Avoir de la compassion, avoir de l'empathie pour quelqu'un, c'est pouvoir reconnaître sa souffrance. Mais il n'y a personne qui demande qu'on nous prenne notre souffrance. Exactement. J'aimerais juste préciser, tu as très bien fait. Là, je vois parfois les difficultés avec le français qui n'est pas ma langue maternelle. C'est ce que je voulais exprimer. Mais
Ça me permet de préciser ce que je voulais dire parce que je crois que c'est important aussi. Notre système nerveux et notre cerveau a besoin d'associer. Et dans les souffrances qui sont trop grandes, on a tendance à se dissocier parce que ça devient trop important. Et donc, avec notre présence dans cette souffrance terrible, nous aidons la personne à vivre, et tu as tout à fait raison, elle va vivre sa douleur toute seule parce que c'est à elle de traverser ce chemin, mais vivre en même temps le lien avec l'autre personne. Et on va aider à associer ces deux états, la souffrance énorme que je vis seule, mais je ne suis pas dans les faits ou je ne suis pas seule face à ça. Et c'est ce que tu appelles être entouré, et c'est ce qui va permettre au cerveau d'associer les deux états et ne pas en faire un traumatisme, mais plutôt en faire un passage, un vécu à traverser. Oui, je pense que c'est par cette présence. Et cette présence, c'est à la fois, c'est de garder son centre en soi-même. Tout à C'est fait. quand on accompagne quelqu'un, que ce soit dans enfin voilà, dans cette étape-là, en tant que psychologue, c'est la même chose. Si moi, je reste chez moi, dans mon centre, je peux offrir cette stabilité-là et cette présence à l'autre qui, lui, est peut-être dans ce moment d'instabilité et de perte de repères. Si pour moi je reste centrée et ancrée, bien stable là-dedans, je peux bien mieux l'accompagner que si je commence à prendre, à rentrer dans son vécu et à me décentrer pour finalement essayer de le rejoindre au plus haut. Je ne vais pas être d'une grande utilité si ce n'est de finalement de fusionner les émotions et peut-être de projeter, de rentrer dans. Voilà, dans d'autres choses. Donc, Tout à fait. je pense que c'est la même chose aussi Ouais. quand on est avec des proches, aussi dans un couple. C'est vraiment, c'est de chacun garder notre singularité, de garder notre centre, notre alignement, et de l'offrir au monde, de offrir cette paix-là à l'autre, quel que soit où il en est sur son chemin, là où il en est. Ce chemin de deuil, parce que le deuil, c'est aussi, c'est un chemin dans lequel parfois on fait des détours et des boucles et on revient. Mais si on s'en rend compte, on revient, mais en même temps, on revient, mais pas à la même intensité. Et c'est ce qui permet de voir le processus et en même temps le cheminement, là où on en est, de voir que ça avance. C'est de réaliser que la tristesse, que la colère vont être moins intense et moins intense et moins intense de fois en fois. Mais pour ça, première chose, c'est de l'affronter dès le départ. C'est d'oser, c'est vraiment d'oser être submergé au tout début. Et c'est vraiment très très beau ce que tu proposes parce que justement nous avons des petits deuils tout le temps. Le deuil à faire quand le soleil disparaît et on a 5 jours de pluie qui suivent. La chose que je me suis imaginée comment elle va se passer et les autres ne font pas comme je veux. Donc, il y a vraiment. Oui, c'est ça. Le deuil d'un repas, d'un menu que tu as préparé, parce que simplement, quand tu arrives au supermarché, eh bien, il n'y a peut-être pas tous les ingrédients nécessaires pour faire le repas que tu as décidé. C'est de faire le deuil d'aller dans un certain magasin et de devoir aller peut-être dans autre. Ouais, C'est. tout à fait. Oui, les deuils, ça peut être. En tout cas, c'est un champ de C'est ça, ça fait un entraînement. Ça fait un pratique. entraînement parce qu'il y a des Oui, situations de deuil. Voilà, on peut en rire et effectivement y apporter de la légèreté parce que c'est vrai que ça peut être léger de voir que ça fait partie de la vie. C'est essentiel, tout comme nos moments à nous. Si on vivait là-dedans de manière beaucoup plus consciente par rapport à ces moments où on met des choses en place dans nos projets,
où ils sont en plein épanouissement et pleine expansion, et puis en même temps, ben voilà, il y a des choses qui, on en récolte les fruits, et puis peut-être qu'il y a des moments où ça s'arrête, et de prendre ce temps-là aussi pour revenir dans, lui donner un sens à ce qu'on a perdu et redonner un sens à ce qu'on a envie de créer par la suite. Tout à Même chose fait. avec nos, voilà, nos êtres proches qui partent, ils ont terminé leur vie, ils ont vécu, ils ont vécu et ils ont fait le meilleur de ce qu'ils pouvaient faire à ce moment-là, et quelle que soit la durée de leur vie. Exactement, c'est ce qui rejoint peut-être la question pour les enfants de juste aussi honorer et valoriser tout ce qu'ils ont déjà apporté, même dans cette petite période, tout ce qu'on a déjà vécu grâce à eux et grâce à leur présence. C'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'en retrouver des souvenirs et en même temps, c'est pouvoir vraiment prendre conscience de l'héritage de ce qu'ils nous ont laissé. Parce que finalement, des enfants nous apprennent tellement de choses, nous-mêmes aussi, nous ont appris déjà à devenir des parents, qu'ils nous ont appris à pouvoir, voilà, au fil de leur étape et de leur évolution, ben, nous-mêmes nous avons évolué là-dedans. C'est de reconnaître ce que eux nous ont donné et c'est de les remercier pour ça. Et en même temps, c'est de pouvoir les laisser partir, les laisser cheminer, se transformer et vers ce que l'on ne sait pas en effet. Et puis en même temps, je dirais que c'est de se rappeler pour nous que c'est ce qui nous attend aussi, parce que c'est la seule certitude que nous avons dans notre vie. C'est que la mort nous attend un jour et on ne sait pas si c'est dans 1 heure, on ne sait pas si c'est demain, on ne sait pas si c'est dans 100 jours ou dans 20 ans, mais donc de saisir vraiment chaque instant et de le vivre pleinement pour voilà, être heureux, satisfait tout au long et jusqu'à notre départ et de continuer à transmettre ce qu'on a à transmettre à chaque instant sans attendre, mais vraiment. Donner cette joie, ce bonheur à chaque instant, de le partager aux gens qui sont autour de nous pour que le jour où nous serons partis, où je serai partie, eh bien oui, il y aura mon héritage qui restera dans mes descendances et où il y aura de magnifiques souvenirs à rassembler. Merci Catherine, merci beaucoup pour Merci. ton partage authentique et la richesse de ta vision par rapport à ce thème qui est quand même souvent difficile à aborder et pour toute ton expérience que tu nous mets à notre disposition. Je vous dis tout simplement que l'enregistrement de cette interview, comme tous les autres, se trouve sur blog.ipra.com et n'hésitez pas à inviter, si vous avez des proches qui vivent difficilement un deuil ou qui ont peut-être quelqu'un qui est malade et qui ne peuvent pas visiter, etc. N'hésitez pas à donner le lien à ses proches. Ça peut les aider et ça peut leur donner une autre compréhension de la situation. Et sinon, je vous invite à réécouter, redécouvrir si vous avez envie des autres interviews sur le blog. Et je vous revois demain pour ceux qui y seront. Très, très bonne journée encore et à la prochaine. Merci Catherine. À tout à l'heure, Ulrich. Ciao!